5, c'est le meilleur de tous les Transformers robots. Angela, t'as tout de suite vu que la machine à pop-corn, c'était le robot Maximus Doute déguisé. Comment tu le savais? Une intuition. Oh. Ah, un vide-grenier, il y a un vide-grenier, ça c'est du concret. Calme-toi, Hank, nous n'avons plus de place, surtout pour des vieilleries. Des vieilleries? Tu appelles ça une vieillerie? Hank, ce four micro-ondes est cassé. Il est pas cassé, il est très pratique. Et sache qu'il n'y a rien entre moi et ces radiations sans danger qui cuisent mes repas. Hé les amis, venez voir ce truc dément. Oh, wow. J'en crois pas mes yeux. Intense danse rébellion. Wow. Il faut qu'on achète ce jeu. Et nous allons acheter ce jeu. C'est génial, on va acheter un jeu d'arcade. On l'aura dans le garage, c'est autorisé? Mais bien sûr Ginger, ce que nous avons à faire c'est payer et je suis certain que le prix est correct. D'accord? Waouh, il y a plus de zéros que je ne l'imaginais. Avec cette expérience, on apprend ce que le mot déception veut dire. Non Angela, si mon plan marche, on n'apprendra rien de cette expérience. On va faire une chasse aux économies cachées. Ouais. Ce rythme-là, le Danse Danse Rébellion sera très bientôt à nous. Erreur! On peut à la rigueur s'offrir la prise. Pourquoi on s'offrirait la prise sans jeu? Réfléchis, Ben. Je faisais une hyperbole. Ce qu'il nous faudrait, c'est un miracle. Danse Danse Rébellion, à nous deux. Où est-ce que t'as eu toutes ces pièces? Quand on a un coin à pièces, on le dit pas. Ce qui compte, c'est d'avoir assez d'argent pour avoir tout ce qu'on veut. Yeah. Ouh. Surtout si ce que vous voulez, c'est payer plus de loyer. Parce que le loyer a augmenté. Exactement de ça. Quoi? Pourquoi le loyer augmente? Une triste histoire. Ma voyante, Madame Irma, vient juste de nous quitter. Les nouvelles voyantes demandent très très cher. Oh, hey. Ouais. Ah. Vous voyez, Madame Irma m'aurait prévenu que mon pantalon lâcherait. Ah. Bon, on ne peut pas laisser notre propriétaire entrer ici et prendre tout l'argent du Danse Danse Rébellion. Mais on l'a laissé faire. Alors on va le récupérer. Comment, Tom? Comment? Je retourne à mon coin à pièces et je prends l'argent dont on a besoin. C'est pile le montant qu'il nous faut. Non, mon coin à pièces est secret. Je dois y aller tout seul. On n'atteindra jamais notre but si le propriétaire se ruine avec une fausse voyante qui ne voit rien. Pas une non-voyante. Oh, ma mère est voyante et sa mère aussi était voyante, ainsi que sa mère. Tiens, c'est bizarre. Dans ma famille, toutes les femmes sont voyantes. Bref, passons. Il faut trouver rapidement une solution pour... Angela, tu es peut-être la solution. Es-tu voyante? Oh, arrête de rêver. Après tout, je savais bien ce qui allait arriver pendant Transform Robot. Ça me va. Si on fait en sorte qu'Angela soit sa voyante, il n'a plus à augmenter le loyer et nous pourrons alors récupérer notre cher argent. Et c'est Danse Danse City. À nous la célébrité. Ouais. Yeah. Ma vie s'effondre avec la disparition de Madame Irma. Si vous voulez que votre vie redevienne comme avant, acceptez qu'Angela soit votre voyante. Elle a le don. Je prendrai la même somme que Madame Irma, comme ça vous pourrez nous rendre notre sac de pièces. Comment je pourrais savoir que vous ne me jetez pas de la poudre aux yeux? Oui, aux yeux. Dites-moi plus, j'ouvre grand les oreilles. Les oreilles, c'est remarquable. Vous êtes prise? Non, pas encore. On va voir si vous êtes aussi forte que Madame Irma. Waouh, Angela, on aurait vraiment cru que tu lisais dans ses pensées. Je ne sais pas si je lis dans les pensées, je savais juste ce qu'il pensait. J'espère qu'elle ne peut pas lire dans mes pensées. Ah non, pas encore, je ne suis pas assez douée pour ça. Alors voilà ton coin à pièces secret, c'est la fontaine municipale, je t'ai eu. Hank, ne dis rien, si c'est moi qui arrive à acheter le Danse Danse Rébellion, je serai le héros de la ville. Mais Ginger, les gens jettent de l'argent ici et ils font un vœu. Ils ont peut-être fait le vœu que ce soit moi qui ai leur argent. Bien tenté Ginger, tu ne respectes pas les vœux et ça, ça porte malheur. Tout ça c'est des inventions, tu sais ce qui est réel, le Danse Danse Rébellion. Oh non, la malchance commence.
Quoi? Hank, qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'ai remis toutes les pièces à leur place. T'en es certain? Cherche bien, t'as dû oublier une pièce. Le propriétaire a le premier sac. Il faut que je rentre toutes les pièces. Sinon j'aurai la poisse pour toujours. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oh non. C'est bon, ma peut-être nouvelle voyante. Dites-moi dans ces chocolats raffinés lequel je ne vais pas recracher à cause de son mauvais goût. Celui-là. Fourré à la noix de coco, ce sont mes préférés. Votre nouveau nom, c'est Angela la Formidable. Parce que vous êtes extraordinaire. Je ne prendrai plus de décision sans vous demander conseil. Jamais. 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 Cachez-moi. C'est encore lui. Oh, les amis, ça ne peut pas continuer. Faut que ça cesse, aidez-moi. Tu n'as qu'à dire au propriétaire que tu en as assez de ces superstitions idiotes et qu'il devrait commencer par prendre des décisions tout seul. C'est une bonne idée, Ben. Merci. Si on peut lui faire croire qu'il est voyant comme Angela, il n'aura plus besoin d'elle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'en suis pas convaincue. Il faut pas mentir avec le don de voyance. Angela la Formidable, une petite question. C'est laquelle des deux qui est gratuite? C'est d'accord, on ment pour le don. Oh, on m'envoie un signal très puissant. Vous voulez savoir ce qu'on me dit? Ben oui. Vous êtes voyant. Voilà. Quoi? Impossible. Si j'avais des dons de voyance, je le saurais, non? On ne se rend pas toujours compte qu'on a le don. Et j'ai peut-être transféré certains de mes pouvoirs sur vous. Le seul moyen de le savoir pour vérifier, c'est de faire un simple test. Je le vois, le sac de pièces de la fontaine. Je vais entrer. Sois prudent, pour le récupérer, il va te falloir de la chance. Mais t'en as pas beaucoup. Première question. Il y a une forme sur cette carte, laquelle? Rassemblez votre énergie de voyance et essayez vraiment de la voir. D'accord. La forme d'un bison. Exact. Vraiment? Oh, c'est un bon signe, un signe de voyance. J'en ai des picotements partout. Nous allons faire un autre test. Maintenant, il y a un fruit dans un bocal sous ce tissu. C'est quoi? Un fruit du dragon. Disons, quel fruit normal est caché dans ce bocal? Fruit. Une banane. Une banane? Banane! Encore exact. Oh. Cette fois, il semblerait que vous ayez le don. Oui, c'est super. Ah, c'est quoi? On dirait qu'il y a de la tromperie dans l'air. Ah, quelle surprise! Tom se cache sous la table. C'est quoi? Jetez un œil là-dessus. C'est la première fois que je vois un bison qui est dessiné comme ça. Maintenant, pour moi, tout est extrêmement clair. Et Ginger va entrer avec mon sac de pièces qu'il a volé. Un instant, comment saviez-vous que Ginger allait entrer avec le sac volé? Tout comme je sais que Ben va entrer furieux et qu'il va se plaindre. J'en ai assez! Désolé de me plaindre, mais quelqu'un m'a volé mes cartes avec des dessins et tous mes fruits! Qu'est-ce qui se passe? Je crois vraiment que le propriétaire est voyant. Honnêtement, on a essayé de vous rouler avec la carte et les fruits, mais on ne savait pas que Ginger allait entrer et que Ben serait furieux. Je sais pertinemment que ce que vous dites est vrai. Avez-vous vu ce qui est arrivé? Il est évident que mes dons sont passés chez vous et que maintenant vous êtes voyant. Oui, j'ai le don de voyance. Donc ça veut dire que vous n'avez plus du tout besoin de moi. Vous avez vu juste. Dites, maintenant que vous êtes voyant, on peut récupérer les pièces? Oui, je n'en ai plus besoin. Oui, danse, danse, bébé.
Pélion, on arrive. Non. Croyez-moi, Tom. Vous non plus, vous n'en voulez pas de ces pièces. Pas vrai, Ginger? Oui, monsieur le propriétaire. J'explique. J'ai pris toutes ces pièces dans la fontaine à vœux municipale. Je reconnais mes actes. Et j'en assume l'entière responsabilité. Maintenant, il doit les remettre. Sinon, il aura de la malchance pour toujours. Ah, oh, ça suffit. La voyance, ça n'existe pas. Et la malchance, c'est une pure invention. Quoi? Vous voulez ma photo? C'est bon, je vais rendre les pièces. Rappelez vos oiseaux de malheur.